Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans ce journal tout d'abord. Sachez qu'en marge de la 72e session de l'Assemblée générale de l'ONU qui se déroule à New York aux États-Unis, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, Hissène Brahim Taha, a pris part jeudi à une réunion de consultation sur la coopération sino-africaine. Les détails avec Gapi Limissé. La Chine est un partenaire privilégié du continent africain. C'est pour maintenir ces partenariats dits gagnant-gagnant que les ministres des Affaires étrangères du continent africain et de la Chine se retrouvent régulièrement pour une consultation politique. Cette quatrième consultation a été une occasion pour les ministres des Affaires étrangères d'évaluer les efforts fournis par les pays africains et appuyés par la Chine dans le cadre de la réalisation et de la mise en œuvre de leurs programmes de développement respectifs. Le ministre tchadien des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, Hissène Brahim Taha, a, au nom de ses homologues de l'Afrique centrale, félicité la Chine pour son appui et a appelé la communauté internationale à venir au secours de cette sous-région menacée par la crise économique et sécuritaire. Le prochain sommet de haut niveau sino-africain se tiendra dans un an en Chine, a informé Wang Yi, le ministre chinois des Affaires étrangères. Et toujours dans le domaine de la coopération, le chef de la diplomatie tchadienne, Hissène Brahim Taha, a eu des rencontres bilatérales. Il a eu des séances de travail avec certains de ses collègues et d'autres personnalités. Restons toujours avec Gapi Limissé. Le Tchad est sollicité par de nombreuses personnalités présentes à New York pour l'Assemblée générale de l'ONU. En témoigne le nombre de rencontres bilatérales qu'a eu le chef de la délégation. Ce jeudi, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, Hissène Brahim Taha, a eu une séance de travail avec le directeur de la diplomatie européenne pour l'Afrique, M. Koen Vervaeke. L'Union européenne, étant un acteur stratégique et présent dans plusieurs secteurs d'intervention au Tchad, entend renforcer davantage sa coopération avec le Tchad. La seconde audience a été accordée au ministre saoudien des Affaires étrangères, Abdel Al-Jouber. Le chef de la diplomatie saoudienne s'est félicité de l'excellente relation que son pays entretient avec le Tchad. Des questions de développement et d'investissement économique ont été au centre de cette rencontre. La dernière rencontre bilatérale a été un tête-à-tête entre le ministre des Affaires étrangères et son homologue portugais, Augusto Santos Silva. Les deux personnalités ont évoqué la question du renforcement de l'axe N'Djamena-Lisbonne.